and gentlemen, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure qui vend. Merci de l'heure pour les 10 subs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle saison de Momomomoduction, la 15e. Ça y est, nous sommes sur la 15e saison. Je suis en compagnie d'Atlantica. Bonsoir. Bonsoir et bon app, moi je suis en train de manger. Bon appétit. Nous avons également Gigi avec nous. Bonsoir. Nous avons Jurax. Bonsoir. Pégaz. Salut. Dark Shadow. Bonsoir. Et Caillou. Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Et merci Xelak pour les 20 subs. Merci beaucoup. Ça va être notre premier modpack fabrique. Eh oui, ça faisait longtemps que je voulais faire un modpack fabrique. Et c'est vrai que jusque-là, je l'en faisais pas parce que on avait pas de quête. En fait, il y avait pas de mode de quête jusqu'à ce que, hop, ça se développe. J'ai laissé le temps. Et puis maintenant, il y a plein de modpacks avec des quêtes. On a pris un des plus connus, des plus emblématiques que l'on va découvrir. Regardez, on est déjà... Oh là, c'est beau. Hein. On commence au pied d'une énorme structure. C'est donc Prominence 2, le modpack. Voilà, pour ceux qui connaissent, on est sur Prominence 2. Donc, c'est un modpack fabrique, il y a 363 mods. C'est quoi le pitch? Le Tradlife sur Modiction 5, le Tradlife, ils ont explosé déjà le Tradlife, merci beaucoup. Bon, déjà, je suis content parce que déjà, on est en 1.20, ça c'est cool. Ça fait plaisir parce qu'on pourra découvrir un petit peu aussi les armor trim, les cherry blossom, tout ça, les petits trucs qui avaient été rajoutés, les blocs de bambou, il y avait eu d'autres choses aussi un petit peu à droite à gauche. Donc effectivement, on aura là 1.20 pour ce modpack, c'est bien parce qu'on est assez proche voilà, des dernières versions, et ça c'est ce que je voulais. On a un modpack qui est très stable pour 363 mods, c'est vrai que fabrique ça change beaucoup, hein, forcément en termes d'optimisation c'est quand même assez stylé. Il y a un méchant, il a décidé d'envahir toutes les dimensions, quel bâtard. Et donc... Il fait partie d'une dimension qu'on appelle le Void, et il va envahir toutes les autres dimensions. Et l'objectif va être bah, tout simplement de vaincre toutes ces dimensions au fur et à mesure. Hein. Il y a tout un réseau de quêtes qu'on va voir justement ici, quand j'appuie sur ma touche, qui va pas... Oh, j'ai cru que j'allais crash, mais c'est juste le temps que le truc se lance. Juste ici, Void's Invasion. Alors, vous pouvez aller le voir hein, dans la quête, en fait. Il y a un truc qui s'appelle Expansion. On clique dessus, le début. D'ailleurs, ça va nous donner 10... Je crois que c'est du bol de riz ou un truc comme ça, de la bouffe, hein, voilà, vase, le volcano où tout a commencé, etc. Donc il y a toute une histoire qui maintient l'équilibre entre les dimensions. C'est un peu le même pitch que Downcraft, hein, d'une certaine manière, un petit peu dans l'idée, mais voilà. Donc on valide, on va récupérer la bouffe, hein, comme ça on l'a. On fait la team peut-être avant. Et on va ah oui, 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 il faut qu'on fasse la team, ça. Ah oui, voilà, invite player, voilà, bah, je vous invite tous, touk, 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 et vous êtes tous dans... Vous avez tous été invités normalement. Ah, c'est un modpack connu, hein. Probablement que certains d'entre vous ont déjà joué à ce modpack forcément, parce que je prends ceux qui fonctionnent bien, parce que l'idée c'est d'avoir une bonne expérience sur Minecraft, donc souvent déterrer des modpacks qui sortent de nulle part, c'est s'exposer à des bugs, c'est s'exposer à une équipe qui met pas forcément le truc à jour, ça peut crasher, etc. Merci Xela qui offre un sub à Esteban, merci beaucoup. Souvent on va chercher des trucs plus connus, après j'essaye de varier en fonction d'eux, là ça tombait bien, parce que là on était sur un truc très thématisé, combat, etc. Là il y a pas mal de choses, le truc est très complet, donc comme je le disais, parce qu'on va avoir Ad Astra. Hein, on a les trucs Moon, Mars, Vénus, Mercure, Glacio, voilà, donc on va pouvoir aller sur la Lune, des dimensions. Il y a également de la magie, il y a du stockage, de l'énergie, de l'industriel, runes magiques, voilà. On a un système de fight avec des skills qui sont assez intéressants. On va le voir parce que certains monstres sont customisés. Et donc tout le système de dimensions qui va avec. Donc c'est assez complet et donc c'est plutôt cool. Et donc quand on clique sur expansion Void Invasion, vous cliquez sur le crâne. Et là il y a A New Threat, voilà une nouvelle menace. Voilà, plein de battles, etc. Son pouvoir s'est affaibli, etc. Hungry World Ending Force, le Void. Voilà, le Void c'est le grand méchant qui vient pour détruire tout, etc. Et il prépare une invasion dans toutes les dimensions, etc. Et il a lancé, voilà, il est rentré dans les trucs qui étaient peaceful, tout ça, et il les a transformés en aberrations, bref. Voilà, donc le terrible moment. Et donc on va commencer par le chapitre 1, à trouver une source voilà, pour déséquilibrer les royaumes. Toutes les dimensions ont été affectées avec la présence du Void. Donc, certaines créatures ont été transformées, etc. Le destin des dimensions dépend de vous. Et là, ça y est, on est lancé dans toutes les dimensions qu'il va y avoir. Donc, il y a toujours des boss à trouver. Voilà, c'est notre route. Notre roadmap, j'ai confondu route et road. Voilà, ça commence par l'Overworld, il y a le Nether, il y a Land, encore le Nether.
Alors là, c'est Conjunctivus. Je vous avoue que ça m'a fait plaisir parce que c'est un mode qui s'appelle Mind Cells, qui vient de Dead Cells. Comme je joue beaucoup à Dead Cells, ça fait plaisir. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc voilà, il y a encore Land, Lie et ensuite The Void Shadow. Il faut savoir que le botpack est mis régulièrement à jour et qu'il y a des chapitres qui sont rajoutés chaque mois. Donc il y a aussi d'autres choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure. En tout cas, on est pour l'instant sur la World Invasion. Et voilà, celle-ci, première tâche, tuer la Nightlish. Alors ça, c'est la quête principale, évidemment, et on a toutes les quêtes à côté, notamment le Getting Started, qui va nous dire ouais, comment se servir des quêtes, comment se servir des choses, etc. On va pouvoir se mettre en survie. On va pouvoir... Ah non, on va pas se mettre en survie tout de suite. Ah, tant mieux. J'ai un truc à vous montrer. Venez par là. Fais gaffe, hein, si jamais il t'attire dans une camionnette avec ses bonbons. Hein. Non, j'ai... Tu dis oui, surtout. J'ai rien fait. Ah bah moi, si... Moi, je dis oui, hein, bien sûr. Atlantica raccoon, je pâte et fromage. Elle souffle. Et oui, parce que Atlantica fête ses 85... Ah pardon, ses 28 ans. 28 ans. Et oui, c'est demain. Mais bon, on en profite du coup parce que effectivement, ça tombait. Eh, Clem, y a des bras zéro. Bras zéro, ouais. Y en a 28, hein. Soufflez tous, hein. Compte, vas-y. Faut que t'aies du souffle, hein. Ah, faut bien souffler, là. Souffle fort. Et oui, c'est l'anniversaire de notre raccoon préféré. Les 28 ans. Alors c'est ce soir à minuit, hein, mais voilà. Ouais. Alors, ils sont où mes cadeaux? Ils sont dans le gâteau, mais chut. À la fin du modpack. On pourrait te le dire, mais c'est pas Twitch friendly. Donc Eh bien, joyeux anniversaire en tout cas, Clem. Voilà, le gâteau production, c'est. On va réussir à tous les faire. Hein. Survival, on peut relancer le cycle jour-nuit. Et c'est parti. Je l'avais relancé dès que t'as commencé. T'as relancé? Ah oui, d'accord. Eh ben, sans plus attendre, cassons du bois, prenons nos ressources, faisons nos outils. Et moi, j'ai le droit de rester en créat, non? Non. 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 Seulement pendant les 15 premiers lives. Bah après. Après, Gigi, que. Oui, c'est vrai que Gigi, que peut-être qu'après, ça dépendra en fait de. Parce que toi aussi, t'as un cadeau qui arrive bientôt. Donc, c'est pareil, c'est un cadeau qui va faire qu'à un moment, on te verra moins sur Moduction. Éradiquons l'environnement, exactement. Parce que... Oh, Nether Creeper. Merci pour les 25 subs. C'est comme ah, les arbres, c'est juste qu'ils sont, géants. Ils sont géants, les arbres. Donc, du coup, plus c'est grand, plus ça met du temps. Il permet. Ah non, c'est des twigs. J'en ai posé un là, des tablis. Ah non. En fait, c'est juste que t'as des branchages que tu récupères, les twigs, et t'as les sticks. Et en fait, il faut des sticks. C'est peut-être pour ça, Jurax, t'as peut-être fait comme moi, t'as essayé de récupérer des twigs. Ah non, je vais tenter de le faire qu'avec des sticks. D'accord. Ça marche, ouais. Oui. Faut innover, c'est ça. Alors, on récupère un peu de cobble, voilà, ben, c'est le début, hein. Oui, ouais, c'est pas Dawncraft, on se retrouve pas avec l'armée de... Je te crois, ouais. Bah, on va sûrement se faire attaquer, mais... On va apparaître, hein, mais... Oh, ils arrivent, hein, ils sont 100, mais bon. Encore une saison à vos côtés, merci la team. Tu seras plus tranquille. Mais aussi la commu pour ces merveilleux moments, en espérant que ça dure pour toujours. Encore joyeux anniversaire, Clem, merci le bazar des sujets pour ton message. Merci à toi, c'est gentil. Voilà. Ça te dit pas qu'on s'installe dans les ruines, ici, là? Non, ça te bête. Quelle ruine? Les ruines là où je suis, là, tu me vois là-bas? Ah oui, j'ai vu, t'as explosé, oui. Ah oui, j'explose parce que tu parles pendant 500 ans, alors forcément ils arrivent par derrière. Il y a des ruines ici. Bon, on peut se poser je dans les ruines, ouais. Caillou Ralpa, c'est pas un vrai Moduction. C'est le vrai? Oui, c'est le vrai. C'est le vrai caillou. C'est le vrai caillou. Ah, tu m'as dit les cailloux. Hop. Ouais, elles sont jolies ces ruines là. Hop. Putain, mes sticks ils sont où? Voilà, oh, alors c'est vrai qu'on avait une épée déjà. J'ai bien une vraie. Bah, on va peut-être récupérer les tables d'ailleurs. Alors, c'est vrai que le système de combat, c'est pareil, c'est un petit peu différent. J'ai on fait des attaques des stocks comme ça. Et alors, quand vous appuyez sur K, vous pourrez voir votre arbre à skill qui va pouvoir augmenter. Il y a beaucoup trop de choses. Non, mais t'inquiète, c'est assez simple. Tu vois, c'est genre, est-ce que tu te spécialises dans les attaques à distance, ta santé, ta stamina? Tu vois, c'est pas des trucs avec 15 000 textes, c'est vraiment en mode, est-ce que tu veux du feu, de l'arcane power? Voilà, ça reste. Oh, c'est quoi ce machin? Attends, fais gaffe! Il va te prendre ton argent de poche! De toute façon, Dark il dit toujours la même chose à chaque. Ah, chaque ils sont 20 000! Ils sont 20 000! Attention! Qu'est-ce qui se passe? Il y a des monstres! Il y a des monstres! Pourquoi je reste allé à ton avis? Ah, au secours! Bonne chance!
Alors on peut faire clic droit et avec son bouclier comme ça on peut garder, prendre sa garde. Et si tu gardes ton clic droit enfoncé que tu frappes, tu peux faire un dash. Oh merde, je t'ai mis un coup. Ah oui putain, il y a le friendly fire. Ok. Lui défoncer sa grand-mère. Ok, on fait une maison d'urgence ici. Il y a déjà les fantômes. Déjà des trous ici. Déjà des fantômes. Ah bah oui, mais c'est normal, on était en créate en attendant l'entrée du truc, donc normal. Ouais, mais on a jamais fait continuer la journée, quoi, en fait. Donc, ah oui, putain. It's a phoenix. Ouais, on se protège comment, là, parce que je... On va tous mourir. Déjà, si vous voulez de la bouffe pour récupérer de la santé, dans la quête, la première quête de la découverte du fantôme de ses morts, tu peux te nourrir pour Regen. Il y a un petit bol. Mmh. Ah, poussez-vous. Voilà. Moi, j'ai fait un du riz, là. Ma personne est sacrée. Salut Jurax. Salut. Je m'installe ici, j'ai peur. Bienvenue chez moi. Alors wow. C'est un petit appart étudiant là. C'est un Paris. 9 mètres carrés, c'était la taille de mon premier appart étudiant, oui. Pareil. Bon, c'était pas étudiant, c'est mon premier appart, mais c'était 9 mètres carrés quand même. Merci Dexma pour le 33e mois d'abonnement, bonsoir à toi. Merci pour ton soutien. Comment ça va? Oh salut. Oh non, pas lui. Hop. La censure. La censure à bon dos. Eh, hey, c'est génial, c'est la première fois qu'on a une structure directe en Brickstone. Putain, on est riche. C'est pratique. C'est beau. Putain, il y avait un os dans le poulet, quoi. C'est quoi le skin de Jurax? Alors, c'est toi qui l'as fait toi-même, donc ça représente. C'était un petit monstre. Je voulais un truc rose. Oh, merde. Et voilà, du coup, j'ai fait un truc rose. Elle a fait un truc rose. C'est un skin fait maison. Vous faites toujours vos plafonds aussi bas, vous? Non mais c'est la structure. Là, je les ai fait bas, oui. Tiens, on va agrandir notre 9 mètres carrés. Enfin, techniquement, non, on l'agrandit pas, mais... je mets de la hauteur sous plafond. On met de la hauteur. Attends, on peut viser plus haut. Attends, Jurax, regarde, il a fait plus haut, là. Viser plus haut. Ça ne me fait pas peur. Hop là, en plus, je mets des blocs différents. Oh, là, c'est dégueulasse. J'adore. Première base, hop là. Bah c'est toujours comme ça, les premières bases. Hein. C'est un peu l'urgence, hein, Minecraft. Hein, C'est parfait, c'est dégueulasse. J'adore. Aïe. Ça, c'est 10 000 euros sur Paris. Oui, c'est vrai, ça. Plafond, ok. Bah, oui, parce que je vous ai foutu un plafond plus haut. Quoi? Ouais, mais du coup, il y a des fenêtres. Moi, je suis pas d'accord. Comment j'ai chopé ça? Bah, les fenêtres, c'est des fenêtres, c'est tout. Comment je l'équipe? Alors, ça triche? J'ai un backpack. De quoi ça triche? Non, mais tu l'as droppé sur un des monstres. Mais c'est pas possible. Ah ouais? Bah, ability available for item. Item, c'est où item? Du coup, je peux pas poser les blocs. Je sais plus. Salut, voisin! C'est bizarre comment c'est fait l'inventaire. T'as de la confiture? Vous auriez pas un peu de sucre? Mais si vous avez plus de courant! Oui, j'avoue! Ah non, mais vous êtes l'eau chaude! Ah non, il y a plus rien. On pensait que c'est chez nous et. Je peux pas équiper! Il a plu en même temps! Attention! Oh le petit! Ah non! Mais il va fermer vos portes aussi! Attention parce qu'on se met des coups. Ah okay. Fuck, on peut pas... Tu remets le sol du coup, Gigi. Je peux tirer ça. Bah oui, je vais remettre. Les zombies attaquent. Oh Tommy, t'es déjà mort. Putain. TDR, t'es mort. Première mort, voilà. C'est déjà la deuxième. C'est la deuxième. Ah oui. Pardon, je suis distrait, excusez-moi. On est submergé et t'es déjà mort. Ah non, c'est pas celui-là. Attends. Bah non, je te laisse. Plastron, icône, sac à dos. Bah ouais, mais... Pourquoi? T'as peut-être pas c'est le niveau, ouais. Ah, je sais pas. Oh, elle est belle cette porte! Maple door! It's a maple door! Non, c'est bon. Charmant. Elle est de toute beauté! Il faut qu'on fasse des lits. Ah, mais ils reviennent! Attention, GG, qu'ils reviennent! Non, je déconne. Oh, j'ai 295 messages en retard. T'as fait ça, Peg? Ou c'était déjà là? Non, ça y était déjà. Oui, j'ai un donjon! Oui! Il y a un donjon. Oui! Ah, c'est du log. J'ai pas de torche. Y a quelqu'un qui a encore du log ou pas? Tes coffres. Oh, tu peux cliquer sur le bouton dans le backpack et c'est maintenant j'ai un sac à dos vache. Wouhou! Sac à dos. Alors, ouais. B pour bag. Non. Backpack inventory. Parce que franchement, pour avoir un sac à dos vache, faut vraiment être en primaire. Hein. Comment tu juges, toi? Exactement, je juge. Oh, c'est, comment c'est pas gentil? Ouais, mais à vous. C'est bon. Attends. Debout! Debout! Hey, qui c'est qui m'a foutu un mur là-devant? Build c'est guide! Moi, je voulais ouvrir la porte, mais je vais mettre sur ça. Ouais, c'est ça, ouais. Si j'appuie sur B, voilà! Ok. Il faudra faire gaffe quand vous avez un backpack, parce que pour accéder à l'inventaire,
il faut renlever les touches parce qu'elles sont plusieurs à être mappées sur du B. Ah zut, dégâts. Ah, il fait jour. Merci. Comment vous avez fait? Ah, en termes de cadeaux, B. On a attendu que le jour vienne. Ah oui, d'accord. Le soleil s'est levé, voilà. Il est méchant, lui, ou... Oh, il y a une bébête. Oula. On peut pas rentrer, s'il vous plaît. Si, je détruis, hop. Dépêchez-vous, non, c'est bon, il attaque pas. Je pense qu'il faut pas l'attaquer, par contre. Non, il est beau. Araignée, mais c'est pas une araignée, ça. Non, elle est à côté, l'araignée. Oh, je peux le monter. Il fait jour, les araignées, c'est pas si... Oh, tu peux? Je peux. Par contre, je suis hors de contrôle. Ah bah oui, il Et il se barre en plus, hein. Attends. C'est ma monture. C'est à moi. Croït, normalement, cette saison. Croït, ça veut dire quoi, ce croït? Croït. Mais... C'est un mélange entre le coït et... Ouais, bah ouais, c'est ça. Oh, j'ai eu des graines. C'est ton pote. C'est mon pote. C'est ton pote. Oui, c'est mon pote. C'est son pote. J'ai dompté le phénix. Mais il faut une selle, je pense. Elle est sortie en plus. Attends. Qu'on y allait voir Jurax en bas de. Je cherche une laisse. Attends, si je fais shift, clic droit. Oh. Bon, voyons. Ah. Ah oui, il faut juste une selle. Oh putain. Cherche une selle, va dans le donjon. On a pas de torche, alors tu te débrouilles, mais. On a pas de torche. Eh viens, on va l'enfermer. En plus, j'en ai plein de charbon là, Darky. Ah ouais. Oh putain, oh bah c'est Uplight ça. Ah bah y'a du charbon, go prendre du charbon là. Qu'on trouve une selle là. Est-ce qu'on peut crafter des selles? Faut que je regarde. C'est un pan. Non, je pense que c'est plus un phénix. Hein. Merci. Oui, il y avait des flammes et tout autour. Il y avait de la c'est un beau faisant. Mais non, Jurax, tue pas mon phénix. Oh, c'est quoi ça? Il vient se mettre sur le devant match. Merci. Mais le phénix, il vient chez nous. Putain, mais il a tornes en plus sur son armure. Il est pas méchant. Il nous aime. C'est quoi ce truc? Ah, il y a des blocs de charbon. Attends. Bah oui, j'ai des charbons là, moi. Des... Ah, il y a du bloc de charbon. Ah, mais c'est parfait. Putain, il y a des effets de particules quand on marche sur la Soul Sand. Ça m'a fait bizarre. Maple Shrub, c'est quoi ça, Maple Shrub? Bah, c'est un truc d'érable. J'ai fait un Furnace. Mais Shrub, je sais pas ce que c'est. T'as fait un Furnace? Ok, super. Deuxième. Je vais mourir, Marquis. Ouais, mais il est trop puissant le machin là. Mais je peux pas récolter aussi, il me tire dessus. Tu es analyste financier. Alors attends. Non, je vais pas y aimer. Alors. Attends. Mais on voit même pas sa vie. Mais ouais, je vois pas sa vie non plus. Ah, c'est bon, j'ai tué. Ah, voilà. J'ai un arc. Alors, je crois qu'il y a des stats sur les armes que vous lootez des mobs et tout. Hein. Vous pourrez trouver des trucs. C'est une mésange. Ils disent n'importe quoi. L'oiseau, il est passé par toutes les phases. Hein. Non, c'est Sulfura. Moi, je pense que c'est Sulfura en vrai. Superman. Pas mal de moutons, pas mal de poulets. Pivert. Bah, les moutons, déjà, ce serait pas mal. C'est une girafe. Je garde en double film. J'en ai trouvé un autre. Attends. Moi j'ai trouvé un poulet. T'es une... Ah bah ouais. Ah ça peut. Mon fier destrier. Est-ce que je... Oh merde. Non. Non, je t'aime. Arrête. Il a pété. Non. Calme-toi. Chut. Ah, il vole. Je vole avec lui. Faut pas qu'il tombe en panne par contre. Ouais bah il est un peu... Ah, il a un gros bidon. Vous voulez le capturer mais je peux pas, il se bat. Reviens. C'est un champ pour essayer de... Fais un enclos autour, enferme-le, fais un truc. Bah oui, bah je voulais mais j'ai mis un coup de pelle pendant que je creusais. Ah bah voilà, bah voilà. Ah, et puis je peux pas le diriger pour l'instant, j'ai pas de laisse non plus. Reviens, je t'aime. Fais le coup de truelle. Mais lui il t'aime pas, il me l'a dit. Mais non, mais lui, il te déteste. Mais pourquoi il est encore en vie? Alors, on a des coffres. D'ailleurs, les inventaires sont partagés. Hein, donc, tous les gens qui vont aller voir les coffres, ils sont en or. Et quand ils apparaissent en bleu, c'est que vous les avez déjà explorés. Et on peut se mettre en bas, regarde. Où ça, en bas? C'est déjà aménagé et tout. Oui, il y a de la place en bas. Hein, ça ferait... Après, ça commence à faire vachement bien. Attends. Eh, tu vois, il y a des stats, hein. Moins 20% de durabilité, moins 5%. Moins 1 reach. Ici. Oui, bah oui. Ah, mais c'est une base. Ah oui, mais il y a... Viens. Fais-moi confiance. Il y a un autre coffre. Oh, il y a de l'or. Moi, faire confiance à quelqu'un, c'est une base. Epic Iron Pickaxe. Dix pick plus 10% plus 1 reach. Ah, trop bien. Ok. Ah, bah, j'ai trouvé du stuff. Là, je suis tombé sur un truc qui s'appelle Prisoner's Quarter. Oh, t'as trouvé le truc de Dead Cells. C'est une dimension. Bah autant venir, y'a rien. T'as trouvé une selle? Mec, j'ai exploré, il y avait une petite maison. Regarde. Oh mec, c'est trop bien. Ah toi, il est différent. Oui. Il n'est pas comme les autres.
Attends, passe ta salle. Tiens, prends. Attends, fasse un enclos et qu'on les mette à l'abri. Ok, ok, ok. Attends, je fais un enclos, je fais un enclos, je fais un enclos, je fais un enclos. Y'a trop de choses d'un coup là. J'ai chopé 4. Ouais, ouais. Je vais pouvoir me faire un saut. On va aller chercher de l'eau. Et Jurex. Non, je veux pas aller dans l'enclos. Faut qu'il soit assez large, hein, je pense. Ah, plus long, plus long. Plus long. Merci des soignies pour le 42e mois d'abonnement. Mettre 2, hein. Ouais. On le doute. Et tiens, je te file la selle. Oh, les deux s'ouvrent en même temps. Ah, attends. Oh, oh là là. Mec, on a déjà ça. On a déjà deux montures. Viens là. Oh. Allez, vole. Comment on vole? Pas sur shift, hein. Moi, j'aime bien. Oh. Shift, tu tombes, donc. Mon pigeon. Et le mien, il est shiny, il brille. Ça y est, ils font du concours de... Pensez à venir récupérer les coffres en bas. Hey, t'as vu, le tien il est pas shiny. Ouais, mais le mien il est rouge comme un vrai phénix alors que toi il manque des plumes. Arrête-moi, il est goldé. Il a des paillettes. Faut qu'on les renomme, eux. Des paillettes, ah, oui. Paillettes dans ta vie. Ah putain, ils essaient de s'envoler déjà, il faut vite qu'on fasse justement, le mur. Ouais. Attends, ouais. Non. Le tien. Il est déjà des cartes. Il est en train de se barrer. Attends, je prends juste ta selle. Il avait tout prévu. Là, tu vas repartir. Oh, Aragorn. Merci pour le 7e mois. Bonjour à tous. Déjà 7 mois. Ça fait plaisir de vous voir jouer et de vous entendre. Je viens de sortir de l'hôpital ce matin. Quand je te regarde jouer, Darky, ça me permet d'oublier un peu la maladie qui s'arrange pas trop. Mais il y a quand même des petites améliorations. Et bah, c'est trop cool, Aragorn, en tout cas. Un plaisir. Et merci pour ton soutien à chaque fois et ta présence. Merci à toi. Alors, évidemment. Est-ce qu'on met des trappes d'or au-dessus comme ça? Attention, des zombies arrivent. Oh, mon phénix. Oh shit! Vol! Attends. Arrière, bah non! C'est des. Et t'as vu, c'est des zombies un peu. Genre, ils ont des habits et tout. Ils sont bien habillés, les zombies. Eh! Mon phénix, il est tué! Il les a tués! Oh putain! Je t'appelle Norbert, t'es trop bien. C'est trop fort. C'est Norbert! C'est Norbert! Norbert le phénix! J'ai la ref. Majestueux, mais. Hop là! Ah bon? C'est quoi la ref? Ah, moi, y avait aucune ref dedans, c'est juste. Ouais, tout seul! Tout est au sol, ok. Ouais, en écran. Il y a une. Là. Une échelle. Il y a une pomme. Le phénix! Tel le saumon, il avance. Une part. Hop là. Reste là! Ah, mais toi aussi, il fait des paillettes en fait. Non, j'ai rien dit, il est bien ton phénix. C'est aussi un phénix shiny. C'est bon. Non, ça va, il fait des paillettes. Je respecte. Ça fait des paillettes, je respecte. C'est bon, je respecte là! Il est bon, Phoenix. Ah putain, il y a un squelette. Ah. En garde, maintenant. Que trépasse si je... Voilà. Mes trois étages de portillon, qui c'est bon. Oh mec, j'ai récupéré des plumes de Phoenix. Ouais, il donne des plumes et tu peux les mettre dans tes trims armor pour les custom. Éloigne-toi. Quoi? Oh non, mon Phoenix. Non, tout va bien. Non, pas mon Phoenix. Il va pas mourir. Je sais qu'on peut en trouver d'autres, mais c'est Norbert. Touche pas à Norbert. Ouais, bah moi y'a trop de monstres. Allo la save room. Voilà. Merde. Mais jamais ça s'ouvre correctement ça. Comment tu me passes à travers ça? Mais putain, je passe à travers! Mais oui, mais lui non, t'as vu sa taille? En plus y'a un truc, alors dans ce modpack c'est assez bizarre, mais quand tu actives tout d'un coup ça s'ouvre. Ouais, ça c'est cool. Ouais, j'aime plutôt bien. Mais pareil pour les portillons. Attends, mais on va tester, elle est où la selle? Bah elle est où? Donc les portillons, on est obligé de mettre des portillons? Pas des portillons, ils passent pas à travers, c'est logique. Au lieu d'en mettre 9, t'en mets 6 et tu les mets de chaque côté. Ah oui, toi tu veux les mettre l'un face à l'autre, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Ok. Bon, on retente le hangar. Ouais, c'est pas mal. Bon, l'idée était là. Alors vas-y, Tommy. Ok, attends, je sors. J'imite l'hélicoptère. Ouais. Tiens, cadeau. Après, je me dis, on peut décaler de 1. On peut décaler de 1. J'aime mieux l'hélico. Oui, c'est vrai. Au pire, on décale de 1. Et quand tu l'ouvres, il passe. Et ils pourront pas s'échapper. Ils pourront pas s'échapper. Donc, du coup, on peut juste évacuer le truc. Faire juste une rangée d'un côté, une rangée de l'autre avec du vide au milieu. Et au milieu, rien, ouais. Aïe. Ou alors, tu en mets aussi sur les côtés. Merci, Kev Dragon, pour le 39e mois. Attends, on teste comme ça. On tête comme ça. Vas-y. Vas-y, Dark Shadow. J'ai filé. Hein? Hop là, c'est garé, voilà. Et là, essaye de redécoller là pour t'échapper. J'ai pas compris, Caillou, ce que tu m'as dit. J'ai des trappes, est-ce que tu peux me les rendre? Tes trappes. C'est bon, arrête-toi là.
C'est parfait, voilà, c'est notre hangar. Il faudra qu'on le redesigne un moment, mais... Oh, stylé. Par contre, deux pans, là. Attends, parce que du coup, je crois qu'ils ils peuvent se barrer, là. Comme ça, ils sont tous en même temps. Voilà. Faudra qu'on trouve des name tags. Pour leur donner un nom. Tu sais, un rouquin qui ronronne en permanence. Mais arrête, oh. Oh, il est revenu. Reviens là, toi. Je restock ça. Ah, bien, ouais, sur le côté comme ça. Parfait. Eh, c'est cool pour les garer. C'est pas grave. Et attends, question. C'est tout de suite, mais. Réponse. Ok. Ah. Ouais, donc il va falloir qu'on mette des blocs au-dessus. On va faire des barrières. Ouais. Un crâne de squelette. Mais au pire, on met deux portions par-dessus encore. Parce okay. que là, ils peuvent passer encore. Oh, j'ai chaud. Tiens. Ah ouais, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Oui, donc on peut crafter. En plus, dans le backpack, il y a une table de craft intégrée. Ah, bah là, c'est bien ça. Parfait. Bon,